Tout le monde, bonjour, bonsoir. Pour passer avec moi, je vais regarder sa vidéo là. Donc, d'abord, je vais remercier le MDES d'inviter mon 13e congrès pour ça l'année 1. Donc, malheureusement, je ne peux pas être là puisque moi, sous la France, par rapport aux obligations et fonctions politiques, je suis là. Donc, je vais honorer cette invitation, mais donc, après ça, je vais faire sa vidéo là pour ça, sa congrès parce que je ne peux pas être là présent. Donc, vous savez que ce congrès est basé sur l'émancipation. Donc, ça a reflété du mouvement MDES dans sa globalité. Et donc, le pays a décidé de faire des changements politiques ces derniers temps. 2021, changement à la collectivité territoriale. Et puis 2022, changement au niveau de la représentation nationale, au niveau des députations. Il mettait deux députés neufs. Donc, j'ai envie de castorquer moi-même. Deux militants dans le pays. J'ai envie de castorquer un militant syndical, mais aussi un militant politique. Et nous bien nous connaître l'histoire de Jean-Victor. Donc moi plus jeune, je n'ai pas la même expérience que Jean-Victor, mais mon cas c'est Goumain. À mon pas moyen aussi pour payer pour une autre dimension. Donc ça fait émancipation, un bagage qui est fondamental. Tout le monde, tout être humain qui aspire à être qui a émancipé son corps, qui a grandi, qui a évolué, qui a affirmé son corps. Et donc payer dans sa même situation, à un moment donné où nous tous, on en paye nous pour Goumain pour ça, pour pays à développer pendant la dimension, émanciper son corps, affirmer son corps et toutes ses composantes. Donc, moi, mon cas, pour ça, je suis là, et en compagnie de Jean-Victor, nous avons le même tempo quasiment, et nous continuons de lutter, on a sa même bagage. Donc, je veux bien comprendre aussi que Jean-Victor et moi, nous pas qu'à participer, et on a tout le bagage en même temps, et surtout, nous pas d'accord, on est tout bête. À part ça, un problème. L'important, c'est qu'on en fond discussion, nous avons le même chemin, on a le même sens, à mon avis, pour évoluer son pays. La Guyane, il y a tout le bagage pour faire pour tout le monde, pour toute sa ville, à nous pour faire. On ne peut pas qu'il y ait parce que vous savez, ils ont débattu beaucoup en sa congrès, donc ils ont abouti à les différentes résolutions. Mon cas, c'était un très bon, mais un très bon congrès, qui mouvement M2S continue à mener ses caméras dans le pays. Parce que tout le monde a dit, M2S a raison, mais après, il n'est pas franchi pas. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui a suivi. Il y a beaucoup de monde qui a fait partie de MDS qui m'ont apprécié, m'ont échangé régulièrement. Et donc, encore une fois, bon congrès et bon travail.